Bonjour, on a Arnaud aujourd'hui, 24 ans, qui a accepté de témoigner à notre question du jour, demander pour toi, avant ta première relation sexuelle, qu'est-ce qui aurait été intéressant ou important que tu saches? Ben bonjour, en premier. Moi, ce que j'aurais vraiment aimé savoir, j'étais bien renseigné au niveau MTS, protection, etc. Puis j'aurais vraiment aimé ça savoir que, dans le fond, on est tous dans la même situation, on est tous gênés au début, puis on se donne pas le droit à l'erreur, on se donne pas le droit d'apprendre justement, on voudrait être parfait au début. Puis c'est le même pour ta partenaire aussi, là. Souvent, quand tu commences, elle aussi, elle l'a jamais fait. Puis c'est rassurant de savoir que les deux, on est dans la même situation, puis au final, t'es, on s'entraide, on apprend ensemble, puis c'est un échange mutuel, c'est pas juste toi qui vas faire tout, puis être le meilleur, là, c'est vraiment, tu te laisses aller au final, puis elle aussi, puis les deux, vous donnez des commentaires, des feedbacks en même temps, vous dites « Ah, j'aime ça quand tu fais ça, j'aime ça quand tu fais ça », t'sais. Puis là, c'est comme ça, je pense qu'on y est bon, mais au début, c'est pas comme ça que ça se passe, tout le monde est mal à l'aise, puis personne n'ose dire de quoi, puis... Fait que dans le fond, t'aurais aimé vivre un peu moins de pression, ouais, de performance, ça, ouais. Plus de complicité, puis ouais. Savoir que la responsabilité était partagée, que c'était pas ta job, finalement. Non, c'est ça, ouais. J'aurais aimé ça. T'sais, justement, ça m'aurait enlevé un stress, parce qu'on voit, justement, la pornographie, on est tellement exposé que les autres, ils font ça, c'est leur travail. Je veux dire, c'est normal qu'on n'ait pas à cette hauteur-là, puis je pense que la partenaire s'attend pas non plus à ce qu'on soit un porn star, t'sais. À ce qu'on soit un peu au même niveau aussi, puis c'est rassurant de le savoir que tout le monde est dans la même situation. Ouais, avec d'être bien informé, puis d'avoir... Je pense que c'est les parents qui devraient faire ça aussi, d'introduire. Faites-en pas, ça va bien aller quand tu vas être prêt, tu peux le faire, puis donne-toi droit à l'erreur, justement. Tu peux te tromper, puis c'est correct, tu vas pouvoir le refaire de toute façon. Exactement, exactement. De vivre l'instant présent, ouais, et d'apprécier ce qu'on fait. C'est ça. Mais merci infiniment pour ton témoignage.